Vous êtes bienvenue à Chambéry dans le nouveau magasin de concept Capteur, donc qui est le nouveau concept de la marque Mobalpa. Alors très schématiquement, le projet se déploie en trois parties. L'expérience consommateur commence par une phase d'inspiration, là où vous avez les modèles de cuisine, des ambiances, des styles différents pour apporter de la contradiction. Vous passez ensuite sur le point co-création, où vous co-créez votre cuisine avec vos consommateurs, vos clients et les concepteurs vendeurs. Ensuite, vous matérialisez votre projet dans une phase de conception finale, où vous pouvez le voir en 3D et également toucher les matériaux et le voir dans l'appartement qui correspond à la dernière étape. On s'évolue aussi résolument plus moderne, enfin dans l'air du temps, sur la façon de travailler, notamment avec nos collaborateurs. Et donc vous pourrez le voir sur la gauche du magasin, un espace de co-conception où l'intégralité des concepteurs-vendeurs, des archives d'intérieur se retrouvent pour préparer ensemble finalement tous les projets et débattre autour de la meilleure solution à apporter à nos clients. Nous arrivons dans une phase importante pour Mobalpa, puisque fort de nos 70 ans de succès, il fallait aujourd'hui se rajeunir, se réinventer et partir avec la nouvelle génération en quelque sorte. Donc c'est pour ça qu'on a amené cette nouvelle vision de marque, ce nouveau logo, ce nouveau concept magasin. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé de déployer la marque de façon homogène dans tous les pays cibles. Donc j'entends par là l'export, mais plus l'export comme précédemment par opportunité dans tous les pays du monde. Là en fait on vise des pays, je vais prendre un exemple très simple, c'est l'Espagne. Et on va à fond dans le pays avec les codes et surtout on développe les mêmes concepts et les mêmes points de vente et les mêmes modes de management qu'en France. Donc en France, on est un réseau finalement ancien mais bien ancré dans la modernité. On a aujourd'hui 240 points de vente. L'idée, c'est de monter à 270. Il reste à peu près 25-30 zones à occuper en France. Mais on a un deuxième challenge qui est important et non des moindres, en fait, c'est de proposer à tous les anciens patrons finalement qui voudraient partir à la retraite de pouvoir transmettre leur entreprise et donc donner les entreprises Mobalpa aujourd'hui à des repreneurs plus jeunes et donc à la nouvelle génération.